Alors, dans son ombre, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Léa et qui vit avec sa mère à Paris. Et en fait, elle a un papa qui est très présent dans sa vie, mais qui est aussi marié avec une autre famille. Et ça raconte un peu le quotidien de cette famille un peu atypique, mais qui reste quand même hyper attachante et très simple finalement. Je sais pas si c'est une histoire de jeunesse, enfin en tout cas, je sais que là pour l'instant, j'ai plein d'histoires à raconter. Et donc, quand on est inspiré comme ça, quand on a des trucs à dire, enfin, qu'on a envie de raconter, je pense que ça va tout seul. Enfin, c'est plus facile que de devoir penser à un sujet. Oui, moi je viens du milieu du manga, plus que de la bande dessinée. C'est aussi pour ça que je travaille beaucoup en noir et blanc. Et du coup, est-ce que je donne des noms d'auteurs ou... Oui, du coup, je suis vachement inspirée donc, par le manga. Et il y a des auteurs comme Umezu, Tezuka. Enfin, il y a beaucoup de... principalement du manga. Et aussi, j'aime pas mal les romans graphiques du genre Bastien Vivès. Mais ça, c'est plus pour le côté narration que pour le côté dessin. Quoi. Vraiment, le dessin, je viens des mangas avec... ses grandes pupilles et ses noirs et blancs très, très forts. Oui, parce que comme je disais tout à l'heure, pour l'instant, j'ai des sujets que j'ai envie d'aborder, des trucs que j'ai envie de raconter. Et il se trouve que oui, ça concerne bah, soit ma vie, soit le quotidien, enfin, des sujets qui sont très, très réalistes et très terre-à-terre. Donc peut-être qu'après, ça va changer, hein, mais pour l'instant, je suis là-dessus. Il y a quelque chose qui me plaît plus, on va dire, que j'ai plus la liberté de façonner le truc comme j'en ai envie, de revenir, d'effacer. Moi, je travaille vraiment comme ça, j'ai besoin de revenir constamment sur les dialogues, revenir constamment sur les personnages, sur la narration. Et je sais que si je travaille avec quelqu'un, on sera en constant échange. Parce que je suis tellement dans le retour, dans rajouter des trucs, enlever. Enfin, c'est vraiment un travail de patchwork, entre guillemets, que je fais, donc ce serait difficile. Mais ça m'intéresse aussi, c'est juste une manière de travailler différente. Ouais. Pourquoi pas, après, je trouve que c'est important que ça reste une inspiration. Plus que... J'ai pas, on va dire que j'ai pas fait des enfin, il y a des mangakas, c'est un vrai métier, quoi. C'est un truc... moi, je me considère pas comme ça, je considère pas que mon style de dessin soit comme ça, et j'ai l'impression que si je commençais à faire du manga, ce serait un petit peu travestir ma manière de dessiner pour copier un truc qui est pas tout à fait mon style, quoi. Donc je préfère garder ça comme une inspi, et puis voilà. Moi, c'est la narration qui m'intéresse. C'est le fait de raconter des histoires plus que le dessin. À la base, je ne me considère pas vraiment comme une dessinatrice. J'ai d'ailleurs pas fait des études pour ça. Je suis graphiste à la base. Donc le dessin, pour moi, c'est un moyen de faire passer des émotions, de raconter une histoire. Et le dessin, justement, est au service de ma narration et au service de l'histoire que je raconte, quoi. Je me vois bon, pas comme un metteur en scène, mais presque. Je mets des personnages en scène et puis voilà.